Romain Troublet, directeur de la Fondation Tara. Enfin, moi, je suis un enfant de la voile. Hein. J'ai fait beaucoup de bateaux quand j'étais plus jeune. J'ai fait beaucoup de bateaux en régate à haut niveau. J'ai fait la Coupe de l'Amérique, le championnat du monde, etc. En équipage et de transat. J'ai vraiment pris conscience, moi, de cet océan comme il est. J'ai beaucoup passé de temps à naviguer dessus à fond pour gagner des régates autour des bouées, etc. Et quand j'ai commencé à rencontrer la science et les scientifiques, à beaucoup discuter avec eux, j'étais frappé par la magie de ce truc, en fait. Et aussi frappé par notre ignorance, de comment ça marche, comment c'est venu, comment ça va évoluer. Tara, c'est un projet qui est né de rencontres, mais aussi d'amitié entre pas mal de gens. On tourne autour de ce bateau Tara depuis avant qu'il s'appelle Tara. Et j'ai grandi avec lui, en fait. Et le projet a grandi aussi avec moi parce qu'on a mis en plus de science dans cette aventure. Et en fait, c'est devenu une machine aujourd'hui à produire de la donnée, de la connaissance, à partager cette connaissance, et même à remonter un peu ces enjeux-là au niveau politique. Et là, je suis à bord pour la mission Microbiome. Et aujourd'hui, on est en Antarctique, en péninsule Antarctique. Et à la fin, qu'est-ce qui reste en fait, toutes ces missions? Qu'est-ce qui reste de ce projet? Quand on est là aujourd'hui, qu'est-ce qui va rester demain? C'est ce qu'on arrive à partager avec les enfants et la connaissance qu'on produit.